Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes à cette date aujourd'hui du mardi 30 août 2016. Voilà, donc je bénis encore le Seigneur parce que je suis encore sur le continent européen. Voilà, j'étais en mission justement pour l'Espagne. Et ça m'a permis, n'est-ce pas, de revoir encore mes enfants spirituels en Belgique, en France. Et je n'ai pas encore, en Belgique, je suis sur le continent français, je suis en France et je vais partir d'ici quelques heures en Belgique et en Madrid, en Espagne, et puis prendre mon vol parti. Mais c'était justement être en contact avec tous mes enfants spirituels. C'était vraiment merveilleux, c'est renouer encore le contact avec mes enfants était vraiment très merveilleux. Voilà, je bénis le Seigneur pour tout ça. Voilà, parce que pourquoi les gens nous combattent, parce que nous luttons pour le bien-être de l'être humain. Nous ne voulons pas que les gens soient injustement coupés. Parce que qui dit sorcier veut dire mangeur table. Qui dit sorcier veut dire mangeur table. Et nous le savons qu'il y en a plein, plusieurs dans nos différentes familles. Et non seulement ça, le sorcier mange, mais il détruit la vie humaine. Il détruit la vie des gens, la destinée, tout ça. Donc du coup, les gens se retrouvent dans des situations pas possibles, malgré leur talent, malgré leur connaissance intellectuelle, ils se retrouvent en train de tourner en brute. Parce que le problème est purement spirituel. Et Dieu nous a fait la grâce en tant que prophète Crasso, le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier, pour éclairer l'opinion publique vis-à-vis des œuvres, n'est-ce pas, de la sorcellerie. Et Seigneur, c'est le premier ministère qui, au monde, n'est-ce pas, qui éclaire les gens qui parlent de la sorcellerie sans réserve. Voilà, sans réserve. Et c'est pour cela que nos vies, nos vies sont à péril, si vous voulez. Nos vies, chaque jour, les gens veulent nous détruire, ils veulent nous détruire parce que pour nous, il faudrait que nous éclairons les gens. Pour nous, il faudrait que nous nous battons pour le suivi de l'être humain, pour que l'être humain ait son vie, son bien-être. Voilà, voici le combat que nous menons. Malheureusement, nous sommes vilipendés, malheureusement, nous sommes attaqués, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il y a plus d'enfants de Satan que d'enfants de Dieu. Voici pourquoi les gens nous combattent, parce que moi, je ne veux pas que les gens meurent injustement. Pour tout compte fait, la mort est naturelle. La mort est naturelle, mais il y a des morts qui sont spirituelles, des morts qui ne sont pas naturelles. Nous prenons la peine d'éclairer certaines personnes, nous prenons la peine de dire que la sorcellerie existe, si elle existe, voici ce que vous devez avoir, accepter Christ comme sauveur et Seigneur, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, vous donner la puissance afin d'être à l'abri de toute cette œuvre satanique et démoniaque. Voilà, voici un peu la mission du prophète Joël Crasso. Donc je suis en Europe, encore en Europe, je pars très bientôt en Afrique, comme bien sûr. Shalom à vous, soyez bénis.